Que se passe-t-il exactement dans l'affaire AVZ Cominière, alors que l'inspecteur général des finances avait avancé des chiffres détournés? Le journaliste d'investigation Maïs Tshibangu demande des preuves et s'est dit prêt à saisir les tribunaux de pair pour que chaque camp ait l'opportunité de dire la vérité. Conflit AVZ Cominière, Maïs Tshibangu continue à réclamer des preuves de Jules Alinguété. L'expert en communication et journaliste d'investigation spécialisé en matière des mines accuse l'inspecteur général des finances de n'avoir abordé, sans les brandir, seules les données de l'AVZ, alors en conflit ouvert avec le gouvernement congolais. Il signe et persiste. Il y a eu contamination des preuves, la justice devrait les déclarer irrécevables. Simultanément, il dénonce qu'il qualifie d'oppression. Les 33 millions dont il est question ici, c'est un petit détournement à côté de ce que l'État congolais perd tous les jours, et dans le dossier du lithium, et dans beaucoup d'autres dossiers. Il y a une seule vérité dans cette histoire. Moi, je viens, je vous montre les preuves. Mais je demande, mais Alinguette, amène aussi tes preuves. Moi, j'aimerais bien voir aujourd'hui les études de faisabilité dont il a parlé, où il a dit que AVZ aurait proposé ou aurait fait sortir dans ses études comme valeur 10 millions de dollars pour une part dans les actions de la Cominière. Mais c'est une bonne chose pour le pays. Parce que l'idée de chacun d'entre nous, c'est quoi? C'est que l'État gagne plus d'argent. Mais alors, pourquoi est-ce que nous nous battons? Visiblement, rien ne va entre la ministre du portefeuille et l'inspecteur général des finances, deux agents de l'État aux intérêts divergents, alors que seul l'intérêt national devrait l'emporter, constate le journaliste d'investigation. Et à la question « est-ce que celui-ci prendrait parti ?», Maïs Tshibangu se veut clair. Il ne travaille ni pour l'un ni pour l'autre. Encore moins, il ne saboterait le travail de l'inspection générale des finances qui ne se résume pas en la personne de Jules Alinguété. Et pour tirer la situation au clair, il annonce saisir le tribunal des pairs. Et c'est pour ça que j'ai dit j'irai voir moi le tribunal des pairs pour qu'après on ne me prête pas des intentions. Nous devons aujourd'hui nous battre pour que notre pays soit un pays d'institutions fortes et non des individus forts. Alors que cette affaire est en cours d'instruction, il y a de quoi craindre que les vrais auteurs ne soient ni épinglés ni condamnés. Alors le pays perdrait, prévient Maïs Tshibangu.